Yon couteau, c'est un instrument qui est vraiment utile. Surtout dans le domaine cuisine, nous utilisons en pile pour capable retirer peau sous fruits, sous légumes, sous préparation et aliments, c'est vraiment utile. Tandis que avec même couteau ça, bien monde qui utilise le pour faire crime avec. Bien monde qui capable utiliser yon couteau pour touyer en pile monde. Oui. Dans le monde qui utilise le couteau pour faire ça mal, pour retirer la vie chrétien vivant. Et bien, pour exemple, ça, c'est pour capable faire nous comprendre que, en plus des fois, l'instrument nous gagne en main, nous, ce n'est pas eux-mêmes qui problème, non, mais c'est les gens nous utilisent. Par exemple, dans le monde qui dit, ah, yo pas na fait Facebook, yo pas na fait Instagram, yo pas na fait TikTok, yo pas na YouTube, yo pas na bagay ça, parce que y a trop en désordre sous yo et bagay ça pas bon et gen même chrétien qui dit yo diabolique. Bon, c'est même bagay là, ces gens nous utiliser instrument ça yo, ces gens nous utiliser réseau ça yo, donc plateforme ça yo, yo là pour capable permettre nous communiquer avec monde bien loin, peut-être par message, par publication, par yon vidéo, yon texte. Mais en pile des fois, il y a des gens qui utilisent même plateforme ça pour dénigrer les gens, pour faire bêtises, pour faire toute qualité bagaille malhonnête dans la société. Eh bien, moi utiliser cette illustration ça, c'est pour capable toujours encourager chaque monde qui fait un travail positif sur les réseaux, continuer à faire. Parce que même j'en ai plus de mal utilisé instrument ça. Comme ça, tout gen moun qui est capable bien utiliser yo, gen moun qui te besoin en réconfort, gen moun qui te besoin soulagement, gen moun qui te besoin bagay important, c'est sur réseau à monter les joindre. Comme ça tout réseau a fait un pile moun crier, réseau yo fait un pile moun triste, yo fait un pile moun senti la vie bagay sens et même détruit la vie. Alors tout le monde qui fait mon travail, tout le monde qui utilise l'instrument ça au bien, continuez à faire. C'était Jethro Blaise, le serviteur.